C'est parti pour Castlevania, donc les aventures de Simon, le coach surfeur qui vient dans mon château. Allez, on y va. Alors, prenez donc la manette de combat et allez-y. Appuyez sur Start. Startons. Castlevania. Ah, petite scène d'introduction. C'est un vaisseau spatial derrière ou... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vole derrière? Ah, ça y est. Les bonnes musiques et les couleurs dégueulasses. Ah, ça sent le vomi derrière. Alors, on essaye d'éteindre les flammes là au lieu de sauter au-dessus. Hein. J'en sais rien, on dirait qu'il a enfin récupéré un meilleur fouet. Après 2 mètres de jeu. Ça, je peux m'en voir. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas d'ennemis. Les couleurs sont horribles. Statue de Lénine, si je ne m'abuse. Ça consomme des cœurs. Tu en as 15 en haut. Ça va lancer des dagues face à toi. Bon, graphiquement, on a vu pire. Ah, des fantômes et du clipping qui t'attaquent. Ah, je croyais que c'était une option. Ça arrête le temps et ça doit cramer à mort de cœur, je crois. Mais comment on le lance? Peut-être en appuyant sur bas et tire. On verra plus tard. Faut péter toutes les bougies. Ah, oui. Ah, de l'argent. Ah, il s'enrichit un petit aussi. Peu. Ça c'est... Ouais. C'est encore un simp ça, c'est pour le dépenser sur Twitch. Putain, sûrement sous l'escalier. Ah, attention, hein, toutou. Ah, il fallait s'accroupir. Aïe. Il est déjà à moitié mort. Eh ben ouais. Alors, pour monter un escalier, je pense qu'il faut avancer, appuyer sur la flèche du haut accroupi. On saute, ouais, bien joué. Alors, c'est beau quand ça bouge pas, mais dès qu'il se déplace, c'est horrible. Hein. Ah, un mur, magnifique. Alors essaye de fouetter le mur, est-ce qu'il n'y a pas un truc caché dedans? Ah, un monstre. Non. Ah, peut-on monter les escaliers? Oui, il faut que tu arrives à appuyer sur la flèche du haut et à avancer en même temps. Ah oui, oh là là. C'est tellement dur. Oh là ah là. Il s'est fait toucher en plus. C'est compliqué les escaliers. Je pense qu'il y a du rhumatisme ou alors... Ou alors pire que ça, un problème au niveau anal qui va... Voilà, qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Ça, c'est une porte. Il arrive à ouvrir les portes. Oh, la belle porte. Ah, il y a un petit escalier planqué, là. Voilà, donc. Il s'est blessé en tombant de l'escalier. Il faudrait un monte-escalier. Stana. Voilà. Je voulais pas donner la marque, mais évidemment, les deux l'ont fait en même temps. Ah. Il va mourir avant de réussir à prendre l'escalier. Ça, c'est de l'eau bénite. De fouetter le mur à droite là quand même. Oh ah, de la vie. Allez, on fouette les chauves-souris, on fouette tout là. C'est un jeu un peu sadomasochiste. Alors est-ce qu'il y a une princesse à fouetter quelque part, qu'on s'amuse un peu? Allez, on va essayer l'escalier là, le petit escalier caché là. Allez, à gauche. Oh. Ouais. Oh, bien joué, il a réussi à prendre l'escalier. Oh là, je sens que ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Donc là, évidemment, s'il se fait toucher pendant qu'il saute, il est mort. Et il est déjà quasiment mort. Ah, je peux pas monter. Je veux de la vie. Ouais, mais c'est pas de la vie, ça, c'est juste des options. C'est pour lancer l'eau bénite, là. Tu n'as toujours pas trouvé comment faire. Flèche du haut, peut-être, et tire. Ah, ouais. C'est ça. Ouais, ça marche pas. Et il va crever, déjà. Un peu long. Ouais, il trouve plein d'argent, mais alors la vie. Ah oui, bon, ça va. Là, ça recharge juste de l'arme. Ouais, ça a l'air d'être des contrôles assez frustrants. Hein. Alors, est-ce qu'il va réussir à sauter et à avancer en même temps? Ah, bien joué. Voilà, c'est beau. Allez vite remonter l'escalier et se casser de là parce que c'est trop dangereux.
formidable. Ah, il y a une belle porte en haut là. Eh non, ouais. Ça serait trop simple de pouvoir monter sur l'escalier directement. Oh là là. Allez, au suivant. L'ennemi qui pop. Attention, ah, ouais, attention, faut sauter. Faut sauter. Je t'ai sauvé la vie. Je connais même pas les contrôles, putain. Non. Oh. Ah. Oh. Oh, ce bug. C'est calculé. Il y a moyen de de tricher. Réussir à faire un mètre de plus. C'est discret ces ouvertures de porte, hein, pour pas se faire remarquer. Ah. Tout ce clipping là. Eh oh, oui, c'était sûr. T'as loupé l'escalier. Allez, il éteint plus les bougies, il est déjà au bout de sa vie. Dis-moi donc où est la princesse. Il faut pas être trop pressé d'arriver à la princesse. Il va y avoir 15 000 boss avant. Il y a un truc en haut, fais gaffe là. Au-dessus de toi, là, c'est une chauve-souris là. Ah, c'est un boss. Oh. Allez, on ramasse l'option, allez, on saute. Allez, ah, trop tard. Et voilà, non, tu peux pas partir, c'est un boss. Ah, potion, il a le pouvoir du clipping, ce boss, il disparaît à moitié. Tu peux envoyer des potions. Je connais pas la touche. Flèche du haut. Ah, flèche du haut. Elle est trop haute, tu vois, elle la touchera pas là. Ah, ah là là. Ah là là. Droite. On va prendre notre option, la hache elle va tirer en cloche comme ça là. Ouais, tu vois la trajectoire. Non, dommage. Attends qu'il bouge pas là. Voilà, voilà, vas-y, tu pourras en balancer 3 là. C'était pas mal. T'as plus de cœur quasiment. Ah, ça recharge. Non, non, trop loin. Ouais, ça l'a bien entamé, hein. On s'y a touché 3-4 fois là. Oh là là, c'est oh bon. Oh là là, quelle victoire. Ce talent. Oh, il récupère une, boule. Une testicule magique. Ah, je joue ma boule. Ah, ça recharge la vie. Oh là là, bien joué. Ah, il y avait du temps en plus. Po. Il y a une limite de temps, non. Oh, c'est une belle carte. Ça a l'air grand. C'est moi le carré bleu. On va voir un peu ce qu'il y a après. Ouais, bah ça a l'air difficile, hein, déjà. Visuellement, déjà. Il y a plusieurs musiques. Il arrive déjà pas à tuer une bougie. Oh. Ah, ça c'est puissant, je crois. Les crucifix, les croix, là, ça part. Ça part tout droit devant, je crois, ou un truc comme ça. Nous avons un spécimen de White Knight à affronter. Ah, puis ça revient en plus. C'est un super objet en fait. Attention, attention! Ah, voilà. Ah, il est puissant cet objet. Et si tu le rattrapes, tu le perds pas peut-être. Hein. Oh. On sent que ils aiment le métal et qu'ils n'avaient pas les outils pour en faire. Allez, attention à la chauve-souris en haut à gauche. Là. Ah là là. Ah bah ouais, mais c'est tellement lent. Ouais, ouais, ouais. Ah là, je pense qu'il y a moyen de l'éviter en sautant deux fois de suite, là. Et voilà. Allez. Ah, il est puissant, cet objet, là. Hein. Allez, on saute. Ah, ce talent. Ouais, si tu le rattrapes, tu perds pas, en plus. Pour moi, c'est le meilleur objet, là, du jeu, là, à la limite. Ce qui est surprenant, c'est le côté random aussi. Là. Les têtes de méduse qui se baladent. Oh putain. Ouais, parce qu'il peut lancer le truc et donner des coups de fouet en même temps, donc c'est quand même vraiment fort. Non, on ramasse pas ça du coup. Oh. Bon, il arrive quand même à perdre, hein, mais il est plus fort. Saut. Ah non, je me suis arrêté au mauvais moment. Ah, c'est à louper. Ouais, faut des cœurs pour recharger le truc. C'est mauvais. Ah, il a ramassé une autre option, tant pis. Tant pis. Alors les dagues, ils les envoient horizontalement. Oh, c'est bien aussi. Ouais, mais elles reviennent pas. Elles ne reviennent pas. Elles sont plus rapides, par contre. Notre objet était mieux. Oh, il feinte. Ouais.
Oh là là, oh ça pue. Ça va, ils ont été encore gentils, il faut que 2 hits. 10 cœurs d'un coup. C'est trop compliqué. On sent que le jeu va être difficile quand le personnage n'arrive déjà pas à faire un petit saut pourri. Allez, allez. Bon, je vais vérifier si la caméra s'est pas éteinte. Il y a des choses qui arrivent. Non, c'est bon. Bon, on a déjà vu un niveau et un boss. Je sais pas si on verra beaucoup plus que ça. Oh là là! Ah, non. Ah! Il est pas tombé. Oh. Il est pas tombé. Il est pas tombé. Non, non! Putain. Ah, y'a un truc au-dessus, fais gaffe. Allez, deux coups de fouet. Ah. C'est bon. C'est déjà super dur, on a fait 2 minutes dans le truc. Non, faut sauter là. Elle est chaude comment? Ah putain. Il y a plus de bouton A. Y'a même pas les. Ah si, y'a marqué. Si ça existait, elle était... Alors la bougie, est-ce qu'il n'y a pas une option dedans? Il prend même pas les bougies, le mec. Ah. Ah, les bougies, je les vois pas, putain, j'ai des lunettes de... De vue. De simple. C'est vrai qu'on lui a mis un handicap, quand même. C'est... Oh non, il a essayé de me niquer. Hein. Allez. Oh là là. Ah, on souffre pour lui, hein, quand on voit les déplacements du personnage. On souffre pour les touches aussi, là, parce que... Ouf. En fait, si on saute, là, tu peux sauter si on saute et qu'on n'a pas de direction, en fait... Allez, prends juste les bougies, essaye pas d'aller là-haut, parce que ça va prendre 5 millions. Ouais, mais c'est une option, là. Et il y a un temps limité dans le jeu, en plus. Ouais, bah, ça fait plaisir, peut-être. Je vois le compteur, il est à 210, là, il descend. Ah, sac poubelle. Alors, nice. Le sac poubelle, il arrête le temps. Oh, putain, oh, ça fait fatal. C'est un objet qui arrête le temps, mais à mon avis, ça consomme au moins 10 cœurs d'un coup. Voire plus. Et ça va figer tous les ennemis, ça. Allez, voilà, c'est aussi un jeu de plateforme. Ah, ça y est, ça arrive. C'est vraiment imprévisible. Saute! Il saute pas. Saute! Ah, ok. Ah, t'as arrêté le temps. Je vais quand même mourir! T'as consommé combien de cœurs? J'ai pas vu. Beaucoup trop. Au moins 5, hein. C'est un objet puissant. Ouais, ça sent le... Ah oh, oh bah c'est foutu. Ah bah non, bah alors là... Ah. C'est tellement moche qu'on n'arrive pas à décrire ce que c'est.